verset 19 à 20. On va ici, on cache pas. Non, va au loin. Va au fond. Après, il peut. Qui a trouvé le bleu, après, il peut, Jacques. Va encore, va encore. Qui a trouvé le bleu, après, il peut, Jacques. Jacques 1, 19 à 20. Jacques 1, 19 à 20. Alléluia. On a trouvé. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Jacques 1, 19 à 20. Il va écouter, mes frères bien-aimés, que tout homme soit propre à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on se mette en colère. Parce que lorsque tu te mets en colère, il y a un esprit qui vient rentrer en toi. Ça ouvre une porte. Alléluia. Parce que lorsque une personne en colère, il ne se contrôle plus. Il est dans tous ses états. Alléluia. Il va le supplier. Il est dans sa bouche. Parce que ça va se mettre en colère. Toute fois que quelqu'un te met en colère, tu vas le déchirer. Alléluia. Alléluia. Toute fois que quelqu'un est dans la colère, parce que Moïse est rentré à Canaan. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur dit à Moïse, prends le bois, étends-le sur le rocher. Moïse, quand le peuple d'Israël mourait, il a pris le bâton et il a chicoté le rocher. Or ce rocher, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et cela a empêché Moïse de rentrer à Canaan. Alléluia. C'est quand le Seigneur Jésus nous dit de ne pas se mettre en colère. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi les calomnies. Alléluia. Les calomnies. On va prendre Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Alléluia. On a voulu appeler Galatiens verset, à partir de verset 19. Alléluia. On a voulu appeler Galatiens verset 19. Il dit la parole. Il dit, oh, les jeux de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme il a déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Dans le Seigneur Jésus dit, Galates 5, verset 19. Alléluia. Dans ceux qui commettent les publicités. Alléluia. Quelqu'un a une idée sur les publicités. Alléluia. Les publicités, quelqu'un a une idée sur les publicités. Alléluia. La publicité, ce sont des rapports sexuels, des mariages, alléluia. Non, mais pas de c'est pareil pour ceux, les femmes qui mettent les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles. Est-ce que ce sont les cheveux naturels? Ce sont les faux cheveux. Or, ce qui n'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est de la fausseté. Alléluia. Donc quand tu mets les mèches, les faux cils, les faux ongles, la rouge à l'ombre, alléluia, tu ne peux pas l'impression. Regarde, nous les hommes naturels. Et on vient pour ajouter. On est devenu la parole. Alléluia. Donc lorsque tu es en train de mettre ces choses sur toi, c'est du mensonge que Satan te dit. Donc si tu mets dans ces choses, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. 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 Est-ce que qui est venu ici par une fois? Qui est venu ici par une fois? Alléluia. Je dois ramasser le temps des bâches. Je saisis encore les pétales. J'atterris ton hôtel. Et je prie ton hôtel au nom de Jésus. Prie ton hôtel au nom de Jésus. Prie ton hôtel. 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 Et j'allume le feu sur ton hôtel. Dans le nom de Jésus. J'en veux, verset 4. J'en veux, verset 4. Ne sais-tu pas que toi, esprit est pur. Ne sais-tu pas que De tout temps depuis que l'homme a été placé sur la terre, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe d'un méchant a été court. Ton triomphe a été court. Et la joie de l'impie momentanée. Je continue. Vas-y. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux. Mais elle représente. Quand il te lève jusqu'aux cieux. Et que sa tête touche au et que ta tête touche au nuée, il périt. Tu péris pour toujours. Tu péris pour toujours. Comme son nom. Tu péris pour toujours comme ton ordure. Tu péris maintenant. Tu péris. 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 Et ceux qui le voient disent. Et ceux qui te voient disent. Où est-il? Où es-tu, esprit pur? Où es-tu, esprit pur? Continue. Il s'envole comme un songe. Tu t'envoles comme un songe. Et on ne le trouve plus. Et on ne le trouve plus dans le corps de Ruth. Il disparaît comme une vision nocturne. Disparaît comme une vision nocturne. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant solennel. Sonnel, au nom de Jésus. Libère. Pas. Libère. Pas. Allez, lâche-la. Délève-toi. 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 C'est l'autre. Délève-toi. Allez, maintenant. Allez, pas. 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 Sonnel maintenant. Sonnel. Allez, sonnel maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Allez, libère-la maintenant. Allez, libère-la. Sonnel le nom de Jésus. Sonnel le nom de Jésus. Sonnel. 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 Sonnel.
Vérifie-toi encore. Vérifie-toi encore. Qui es-tu? Parle maintenant de ce qui es-tu. Qui es-tu dans la vie de Ruth? Plus tu résistes, le feu t'embrase. Tu résistes, le feu t'embrase. Et je déclare au nom de Jésus que tu es couché dans les braises de feu. 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 Quel est ton nom? Parle maintenant de Jésus. Parle au nom de Jésus. Je saisis le peu de canage. Je saisis le peu de canage. Pèse ton cœur au nom de Jésus. Coupe ta main. Pèse ton cœur au nom de Jésus. Coupe ta main. Pèse ton cœur. Coupe ta main. Pèse ton cœur. Pèse ta main. Pèse ton cœur. Coupe ta main. Pèse ton cœur. Pèse ton cœur. Pèse ton cœur. Je saisis le peu. J'enfonce ta gorge. Au nom de Jésus. J'enfonce le paix. Au nom de Jésus. Quel est ton nom? Qui es-tu de la vie de Ruth? Parle au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. Toi, esprit impur, qui es-tu dans la vie de Ruth? Je te donne au nom de Jésus-Christ. Parle maintenant de Jésus, qui es-tu? Je ne vais pas, j'invoque le feu sur toi. Et je vais demander au lion de la tribu de Judas de descendre et de te déchirer, de te déchiqueter en mille morceaux. Qui es-tu dans la vie de Ruth? Philippiens 2, verset 9. Parle maintenant, qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom de la vie de Ruth? C'est toi son père. C'est toi son père. C'est toi son père. Qui es-tu? Père de qui es-tu? Vas-y. C'est pourquoi? Viens sur la Bible. Viens sur la Bible. Je vais la situer. Vas-y. C'est pourquoi? C'est pourquoi, écoute, ce n'est plus. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Et lui a donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Toi, esprit impur, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, ta force meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ta résistance est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton autorité est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ta force meurt. Au nom de Jésus. Ton pouvoir meurt. Au nom de Jésus. Ton pouvoir meurt. Au nom de Jésus. Ton trône prend feu. Au nom de Jésus. Ton trône prend feu. Le feu encore. Ton trône prend feu. Le feu encore. Ton autorité est brisée. Le feu encore. Ton autorité est brisée. Au nom de Jésus. Ton autorité est brisée. Au nom de Jésus. La déclaration à la motion de son nom. Tout genou fléchit dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. Et toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est quoi toi, esprit impur? Je te commande au nom de Jésus. Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus, qu'es-tu? Qu'es-tu dans la vie de Ruth? Et quelle est ta position dans la vie de Ruth? Et tu parles fort, hein? Il n'y a pas de camarade ici. Qu'es-tu? Tu es son mari. Parle fort, qu'es-tu? Son mari. Quel mari? Quel mari? Parle vite! C'est le mari de lui. Son mari. Attends, il va dire. Il a dit. Qui es-tu? Tu n'as pas de camarade ici. Je saisis le bricolage. Et je l'enfonce. Je baisse ton cou. J'enfonce l'épée. J'enfonce l'épée. J'enfonce. Qui es-tu? Quel mari? Mari de nuit. Tu es le mari de nuit. D'accord. Et comment tu as eu accès à la vie de Ruth? Comment tu as accès à la vie de Ruth? Comment tu as accès à sa vie? Tu parles maintenant au nom de Jésus. Je saisis le pied du canard encore. Je saisis le pied, j'enfonce à ta gorge. Au nom de Jésus. Comment tu as accès à la vie de Ruth? Parle maintenant de Jésus. Sinon, je vais couper ta patate, je vais couper ton sexe tout à l'heure. Comment tu as accès à sa vie? Parle au nom de Jésus. Comment tu as eu accès à sa vie? On a l'arbre de mariage, on détruit, on détruit l'arbre de mariage. Comment tu as eu accès à sa vie? Parle maintenant de Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 12, verset 29.
que notre Dieu est un feu dévorant. C'est pourquoi nous avons invoqué le feu sur toi. Mais ce feu va te consumer. Et nous faisons descendre le feu maintenant. Et nous augmente le feu. Le feu t'embrase. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu, 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 pas de la poste avec qui? Avec les hommes. Lequel vous voulez? Allez, la poste avec les hommes. Comment tu as eu accès à sa vie? Allez, la poste est seule avec les hommes. Donc c'est parce que tu as eu accès à sa vie. Et pas vite! Tu l'as poussé à le voir des rapports avec les hommes. Et c'est par là que tu as eu accès à sa vie. C'est ça. Ok. C'est là. C'est pourquoi maintenant tu as vu. Voici l'acte de mariage. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Maintenant que Ruth appartient à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour Ruth. Et sur la base de Colossiens 2, verset 14. Sur la base de Colossiens de sur la base de Colossiens de 14, nous allons briser l'acte de mariage qui donne accès à la vie de Ruth et la grossesse satanique qui se cache derrière cette véritable grossesse. Nous allons détruire cette grossesse satanique qui se cache en dessous de cette grossesse. Il a effacé. Bien sûr, la Bible. Écoute ce qu'il dit la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens 2, verset 14. Il a effacé. Jésus a effacé. Jésus a effacé. L'acte dans les ordonnances. L'acte dans les ordonnances. Condamnait Ruth. Condamnait Ruth. Et qui subsistait contre elle. Et qui subsistait contre Ruth. Et il a détruit. Jésus a détruit. En le clouant à la croix. En te clouant à la croix, toi, esprit impur. Il a dépouillé les dominations. Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Et les autorités. Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Et les a livrés publiquement au spectacle. Jésus-Christ a livré publiquement au spectacle. En triomphant, en triomphant de toi à la croix. C'est quoi l'acte du mariage par lequel tu as eu accès à la vie de Ruth. J'ai saisi l'acte du mariage. Je le plonge dans le sang de Jésus. Et je brise cet acte du mariage. Je brise l'acte de mariage. Non, de Jésus. Je brise l'acte de mariage. Non, de Jésus. Je brise l'acte de mariage. Non, de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus. Je révoque ce mariage. Non, de Jésus. J'annule ce mariage. Non, de Jésus. J'annule ce mariage. Non, de Jésus. J'annule ce mariage. Non, de Jésus. Je le révoque. Non, de Jésus. Je le révoque. Non, de Jésus. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. J'annule ce mariage. Et je déclare aujourd'hui que Ruth ne t'appartient pas. Et je proclame le divorce. Entre Ruth et toi, je proclame le divorce entre Ruth et toi. Toi, esprit impur, ne sais-tu pas que Ruth est l'épouse de Christ et que Christ est l'époux de Ruth? Ne sais-tu pas que Ruth est l'épouse de Christ? Et qu'est-ce que tu as volé de la vie de Ruth? Qu'est-ce que tu as volé de la vie de Ruth? Parle au nom de Jésus! C'est bien. Où tu as mis l'âme de Ruth? Oh, tu as mis l'âme de Ruth. Et pas Ruth, au nom de Jésus. Toi, esprit impur. Oh, tu as mis l'âme de Ruth. Oh, tu as mis son âme. Tu parles maintenant au nom de Jésus-Christ. Ruth. Hey, je n'ai pas le temps à faire ça avec toi. Oh, as-tu mis l'âme de Ruth? Où as-tu mis l'âme de Ruth? Où ça? Alice!
Et je commande maintenant que les mouches venimeuses descendent maintenant. Les mouches venimeuses dans tes oreilles, dans tes narines, dans ta bouche. Elles se dévorent à partir de partout ton corps. Les mouches venimeuses te dévorent. Et maintenant, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de descend. Il descend maintenant et te saisit, il te déchire, Le tonnerre s'abat sur toi. Le tonnerre de l'économie de la police, c'est toi.
Les sept tonnerres de l'Éternel mettront sa base sur toi. Les sept tonnerres de l'Éternel mettront grand sur toi et te divise en deux parties égales. Te divise en deux parties égales où tu as mis son âme. Où tu as mis son âme, vite. Allez, va tu mets son âme, vite. Allez, lève-toi, va tu mets son âme, vite. C'est un ordre. Dans le fétiche de son papa. C'est dans le fétiche de son papa. Le fétiche est trop haut. Dans la maison de son père. Mais attends, mais quel est ton nom? Mais quel est l'esprit humain de la société? Quel est ton nom? C'est son mari de lui, mais quel est son nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hé! Petit vieux. C'est pas petit vieux, mais il doit qu'elle allait donner le nom. Quel est ton nom? Petit sorcier. Petit sorcier, quel est ton nom? Parle vite, quel est ton nom? Quel est ce but? Quel est ton nom? Faut lire Apocalypse 10, verset 3. Les sept tonnerres qui vont descendre. Et il cria d'une voix forte. Le premier tonnerre va te diviser en deux parties égales. Comme rugit un lion. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria. Les sept tonnerres. Vit entendre dans leur voix. Je commande au nom de Jésus. Que les sept tonnerres de l'Éternel mettront grand sur toi. Au nom de Jésus. Les sept tonnerres grandes. Ça bon. Les sept tonnerres de l'Éternel. Grand sur toi. Il grand. Les sept tonnerres de l'Éternel. Grand sur toi maintenant. Il grand sur toi. Les sept tonnerres de l'Éternel. Grand sur toi maintenant. Et maintenant tu te lèves et tu vas récupérer son âme. Allez, rapidement. Tu donnes d'abord ton nom et tu te lèves et récupérer son âme. Donne-moi ton nom et tu te lèves pour aller récupérer son âme. Parle-moi ton nom. Quel est ton nom? Parle-moi ton nom, je te quel est ton nom? Zaouli. Ah, c'est toi, esprit de masse, bourreau. C'est toi, esprit de masse, bourreau. C'est le moment de rappeler à tous nos frères de l'Ouest, surtout les bourreaux, qui dansaient le Zaouli, le masse, bourreau. Vous êtes automatiquement possédé par l'esprit de Zaoui. Qui est le mari de lui, vous voyez, elle est gourou. Elle est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a un peuple qui danse le masque, la danse Zaoui. Et c'est cet esprit-là qui la possède et qui est son mari de lui. C'est donc c'est le moment de vous rappeler et pour vous dire de vous repentir et de revenir encore à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Car après la mort, ça sera trop tard pour vous. C'est l'esprit de Zaouli, le masque que vous dansez. C'est ce masque qui la possède. C'est cet esprit-là qui la possède et qui est son mari de lui. Et cet esprit-là a eu des enfants avec elle. Et bien qu'elle soit enceinte physiquement, mais spirituellement également, elle est enceinte. Elle est enceinte spirituellement. Zaouli, va me récupérer son âme vite. Allez vite! Lève-toi, elle va me récupérer son âme. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Christ nous donne en ce jour. Nous atterrissons maintenant devant le Canari, là où son âme se trouve. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et sur la base de cette parole maintenant, nous atterrissons maintenant devant le Canari. Et je saisis l'épée du grand canage. Et je brise le Canari. Brise le Canari. Et maintenant, comme
appelé Lazare. Elle a dit à Lazare, tu sors de la tombe. C'est ainsi maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la lame de Ruth de sortir maintenant de la prison satanique. J'ordonne la lame de Ruth de sortir de toute captivité. Au nom de Jésus. Ruth, sors 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 au nom de Jésus. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth entend la voix de l'Éternel qui retentit encore tes oreilles et qui t'appelle. Entends la voix de l'Éternel. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Ruth, sors. Dieu t'appelle. Sors les ténèbres. 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 Sors la captivité. Sors la captivité. Sors la prison. Sors la prison. Sors. 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 Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te rendre libre. Alléluia. Il est venu te rendre libre. Comme le dit sa parole, le livre de Jean 8. Au verset 36. Jean 8, au verset 36. Cette parole va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Cette parole va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Jean 8, verset 36. Cette parole va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Dans ta vie. Ruth, écoute cette parole. Car le roi des gloires est venu pour te libérer aujourd'hui. Jésus-Christ est descendu son trône pour te libérer aujourd'hui. Jean 8, 36. Si donc. Si donc le Fils vous a franchi, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Ruth, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Ruth, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Ruth, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est pourquoi au nom de Jésus, Ruth, sois fortifié, que le Seigneur te fortifie.
Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Qu'il te fortifie, qu'il te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Ça fortifie. Je vais parler pour au moins édifier aussi les bien-aimés qui nous suivent aussi de l'extérieur. Parce que d'autres pensent que c'est du montage. Et sache que j'ai la plus vérité. Comment? Bien me comprendre, c'est parce qu'elle est beaucoup fatiguée. Donc je vais interpréter tout ce qu'elle dit. Oui. Elle dit qu'elle était dans l'obscurité. Elle ne voyait rien. Elle était dans l'obscurité totale, dans le noir. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que celui qui a son Jésus, il est mort, bien qu'il soit vivant. Il est mort. Donc sans Jésus, tu es mort. C'est la raison pour laquelle Saint Paul dit que je suis la lumière du monde. Donc celui qui a Jésus-Christ en lui, il a la lumière en lui. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Alléluia. C'est la raison pour laquelle elle dit qu'elle se trouvait encore dans les ténèbres. Son âme était dans le noir, emprisonnée encore dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Et c'est le moment de vous rappeler de venir à Jésus-Christ. C'est le moment de vous dire de venir à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. C'est pendant que tu vis que tu dois accepter le Seigneur. Car après la mort, ça sera trop tard. Après la mort, ça sera trop tard. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, bien aimé. Le plus important, ce n'est pas la mort. Mais où ira ton âme après la mort? Après la mort, où ira ton âme après la mort? Pose-toi la question. Parce que ce corps est mortel, mais l'âme ne meurt pas. Et notre passage sur la terre, c'est juste un temps, c'est temporaire. Parce que notre durée de vie est limitée. Pour d'autres, c'est 100 ans, pour d'autres, c'est 90 ans, pour d'autres, c'est 50 ans. Notre durée de vie sur terre est limitée. Mais après la mort, c'est une vie illimité, il n'a point de limite. Il n'a point de limite. Raison pour laquelle ressaisissez-vous, répentez-vous et revenez à Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans le noir et par la suite. Comment? Sois fortifié, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Oui? Sois fortifié, sois fortifié. Tu te retrouves dans le droit et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Tout était noir autour d'elle. Elle était dans l'obscurité totale. Oui. Sois fortifié. Sois fortifié. Et qu'est-ce qui s'est-il passé par la suite? Une force, vraiment. Elle a senti une force qui m'appelait. Alléluia. Elle a senti une force qui l'appelait. Lorsque nous lisons le livre de Jean 8, verset 36, qui dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous allons utiliser le verset, nous allons prier avec ce verset. Et le Seigneur est descendu sur son trône pour la faire sortir de la captivité, pour la faire sortir de la prison satanique et pour la délivrer des mains de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu as senti une force qui t'a appelé. Oui. La force l'appelait, oui. J'ai senti même la force. Ça m'a crié pour Jésus. Ah. Donc elle a senti une force l'appeler. Elle a senti cette force à rentrer en elle. C'est la raison pour laquelle elle s'est levée en sursaut en criant Jésus-Christ. Alléluia. J'ai senti mon âme sortir de l'obscurité. Elle a senti son âme sortir de l'obscurité. Elle a senti son âme sortir de la prison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ensuite, elle a vu maintenant une lumière, elle s'est retrouvée encore dans une lumière. La véritable lumière qui est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Alléluia. Comment? Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Quand d'autres questions qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé encore? Après la lumière, c'est tout ce qu'elle a vu. Donc c'est un peu ça, le bref résumé. Elle s'est retrouvée dans le noir, dans l'obscurité.
Et le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur le trône pour la libérer. Alléluia. Donc c'est le moment de rappeler un frère et une soeur de s'attacher véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est la solution. C'est lui seul qui est le Dieu véritable. On ne s'attache pas à un homme, mais on s'attache à Jésus-Christ. Et s'il y a un sujet qui te dépasse, c'est le moment de fléchir les genoux et de crier à Jésus-Christ. Car lui seul est la vérité. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui seul qui ne ment pas. L'homme peut se tromper. Les hommes peuvent se tromper. Mais celui qui ne se trompe pas, son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est le moment de s'attacher véritablement à lui. Et pour toi qui es de l'Ouest, comme elle, la bien-aimée, qui danse encore, le Zaouli, réponds-toi. Réponds-toi. Car le Seigneur veut te sauver. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, ça va. Et comment tu te sens maintenant? Elle te sent maintenant bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas dans le bureau. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Non, ça va? Oui, ça va. Voilà, Jésus, mon discours, on va voir quoi c'est. Pourquoi te reposer un peu? Oui, je le Seigneur, la venue va commencer. Non, 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 non